Bon, salut à tous. Une nouvelle sortie détection. Comme vous pouvez le voir, sous le signe du champ des moissons. Les champs des moissons ont commencé. Voilà. Et donc là, j'ai un super champ. Donc, je suis toujours dans le même secteur. Je crois ma dernière vidéo, en fait, c'était vers là-bas, là où j'avais fait la vingt pfennig en argent. Voilà, je suis accompagné de Fidèle Destrier. Il dit bonjour ? Non. Elle n'a pas envie de vous dire bonjour. T'es grognon ? Non. Ah, elle n'est pas grognon. Donc elle n'est pas grognon. Ok. Donc eh ben c'est cool. Le temps il est agréable. Ça va claquer. Ça va claquer parce que là il est quoi ? Il est quasiment 9h. À mon avis, ça risque de taper. Mais c'est cool. Hier soir, il n'y a plus. Donc, la terre, elle s'est un peu ramollie. C'est cool. C'est super sympa. Donc, ce que je vais faire, dès que j'ai une trouvaille, première trouvaille, je rallume. Voilà. Allez, tchuss. Allez, première trouvaille intéressante pour moi. La voiture est là-bas. Donc j'ai fait quelques déchets, hein. Je vous les montrerai après, au bilan des trouvailles. Tout simplement, j'ai fait deux anneaux, aussi, ou bagues, j'en sais rien. Et là, j'ai une première trouvaille, elle est juste là, regardez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, alors. Pouloulou, alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Un bouton. Oh. Joli, un joli petit bouton, magnifique. J'en ai jamais fait des comme ça. Voilà, un joli petit bouton. Voilà, c'est cool. Allez, bon ben, j'arrive à ma prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, première belle monnaie pour moi. Parce qu'en fin de compte, là-bas, j'ai fait encore une 10 centimes d'euros après le bouton. Et j'ai fait encore une monnaie, alors je pense, type liard. Liard ou éventuellement les petits écus, hein, les petits centimes d'écu. Donc là, après, je me suis un peu désaltéré parce que j'avais soif. Et donc là, regardez, le pavé. Le pavé. Voilà, regardez. Hop, ici. Allez, la belle bête. Regardez-moi ça. J'espère qu'il y aura des restes. C'est quoi ça? Ah, écoutez, c'est pas du loulou. On attend ici. Ah, si, c'est ça, ouais. C'est une loulou. Il est difficile. Alors, c'est quoi, d'être un sol, le roi de deux la sol. Ouais, c'est une deux sols, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Hop, on va se mettre à la lumière. Il est difficile d'être sol, le roi de la France. Ouais, on voit bien le deux, là, ici. Hop. Voilà. La loi, le roi. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Une de sol. C'est cool. J'espère qu'il y aura quelques restes. On verra. Mais en tout cas, elle a l'air d'être sympa. Elle est sympatoche. Voilà. Elle est sympatoche. Ouais. Donc celle-ci, celle-ci, je vais la dédicacer à... À Néné 62. Voilà, donc Néné 62, si tu regardes ma vidéo, cette loulou, je te la dédicace, elle est pour toi. Voilà, parce que je crois que je t'ai jamais fait de dédicace peut-être, il me semble. Voilà, allez, sur ce, je continue, à la prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle monnaie pour moi, après la deux sols qui était juste là-bas. Voilà. Donc là, regardez, elle est encore dans sa motte. Youpla. Et on va regarder ensemble ce qu'on a. En tout cas, ça sonnait bien. Ok. Hop. Je crois que ça doit être encore du loulou. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je sais pas. Je vois pas sa tête là, ça c'est sûr.
petit dessin. Ouais, de ce côté-ci, ça m'a l'air savot, ça. Ça m'a l'air savot. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si on va en tirer quelque chose. Hein. Quand je vois déjà la patine orange en dessous, ça me fait déjà peur. Voilà. Bon, ben... ce petit pavé en cuivre. Hein. Dommage. On verra ça au bilan des trouvailles, s'il y a encore quelques restes, mais je crois, il y a... J'ai l'air... On doit apercevoir le buste encore de Louis XVI. Hein. Il y a quelque chose, là, ouais. En tout cas, c'est du loulou. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Allez, c'est dommage. Hein. Ouais, ça motive quand même. Hein. Mais en tout cas, je peux vous dire que là, le soleil, il chauffe, là. Il est où, le pépère? Il est là-haut. Ah, il chauffe. Ah, franchement, je m'en prends plein la tronche, là. C'est la carnardise, comme dirait Tress. Sortie canardise. Voilà. Allez, sur ce, je relève ma prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Ouais, nouvelle trouvaille pour moi. Après, la loulou qui était là-bas. Donc, c'est bien une loulou. Hein. Je vous montrerai le buste après. Et juste là, hop. Tupiou. Il est là. Le petit bouton. Hop. Encore dans sa mode tout rush. Voilà. On va se mettre au soleil. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bouton là? Je sais pas s'il y aura des dessins dessus. Ah, à mon avis, je suis pas sûr. Oui. Un bouton tout simple. Voilà. Allez, là je vais me rafraîchir. Là, je vous reprends à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, après un petit rafraîchissement bien mérité. Je suis reparti de la voiture. J'ai fait une rangée. J'ai fait deux trois déchets. Voilà. J'ai repris ici. Là c'est pareil, j'ai refait encore un déchet là-bas. Je sais plus, je crois de l'aluminium. Et là, une nouvelle monnaie. Regardez. Oups là. Voilà. Alors, à vue d'œil, ça m'a l'air d'être du napo. Vous voyez, sans la frotter comme ça, c'est du napo. Ah. 5 centimes napo. Voilà, elle a bien morflé celle-là. Elle a bien morflé. Elle a bien morflé. Voilà. Avec la bestiole de l'autre côté, la bébête. Voilà. Dommage. Dommage, dommage. C'est dommage. Allez. Donc sur ce, je reprends la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Voilà la cigogne de l'Alsace. Regardez, elle folle. Voilà l'emblème de l'Alsace. Notre chère et belle cigogne. Voilà, je sais pas. C'est rare que j'en vois ici parce que c'est surtout les corbeaux qu'il y a là-bas. C'est une bande de salopards. Et la cigogne, c'est rare. Hein. C'est pas courant. C'est pas courant. Voilà. C'était la petite minute nature de ton plat. Hein? Moi, je sais pas si elle va venir ici. Ah, elle a pas envie. Allez. Après la napo, bon ben. Le trou il est même pas bouché, vous voyez. Elle est encore là. Hop. Voilà. Et j'ai madame qui est là-bas, mademoiselle. Allez, sur ce, petite cigognus, je reprends la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, matinée détection finie. Hein. Après trois bonnes heures, sous un soleil de plomb, le bilan des trouvailles. Voilà, donc pas mal de déchets. Bon, si on peut appeler ça des déchets,
C'est surtout l'aluminium, là, ça c'était des déchets. Mais après le reste, voilà. Après là, ces petites pièces en aluminium. En aluminium, non. En je sais pas quoi, on dirait du zinc, mais je suis pas sûr. Quelques motifs sympas dessus. Du plomb. Du plomb. De l'alu. Cette petite pièce aussi. Voilà. Celle-ci, on verra au nettoyage parce qu'il y a quelques petits dessins dessus. Voilà. Là, un reste de fer noir. Moi, je suppose. Voilà. Après, cette pièce agricole avec les chaînes et la clavette. Et puis, ça, c'est un reste de tube pour l'arrosage des plantes. Voilà. Et le bilan des trouvailles. Donc. Des anneaux. Voilà. Hop, des anneaux, 1, 2, 3 anneaux. Ça c'était le premier objet que j'ai fait. Je pensais que c'était un anneau, mais je pense pas. Oui, on croirait bien, on verrait bien une bague. Je pense que c'est une bague. Parce qu'il y a un petit plat à l'intérieur. Dites-le moi dans les commentaires. Je suis preneur. Mais pour moi, à mon avis, c'est une bague. C'est pas un anneau. Voilà. Après, j'ai fait deux boutons. Voilà. Le premier. Hop. Le premier. Et après, le premier, le deuxième, du moins. Le premier, celui-ci. Je n'en ai jamais fait des comme ça. D'abord, je pensais que c'était une roulette de tapis, de pâtisserie. Du 16e, hein, 16e ou 17e siècle, comme j'avais fait. Dans la sortie avec Coussine, hein, où j'en avais fait une, mais c'est pas ça, c'est un bouton. Hein. Après, là j'ai une monnaie, donc deux petites monnaies, ça vaut type ouais, c'est les centimes, hein. Soit des LR ou alors éventuellement des liards, hein. Des liards ou des sols, je sais pas, les centimes. Après, la napo, donc celle-ci, par contre, elle a morflé. Hein. Franchement, elle a pris cher. Par rapport à la dernière sortie où j'avais fait ma boursée de napo, là, ça n'a rien à voir. Avec celle-ci, vous voyez bien que les produits chimiques font leur travail. Ça, c'est sûr. Ils font bien leur travail. Voilà. Après, j'avais encore 7-10 centimes que je n'ai pas fumé. Hein. Voilà, complètement rincé. Pareil avec les produits chimiques. Hein. C'est hallucinant. Nos euros ne feront pas de heureux, ça c'est sûr. Après j'ai donc la monnaie là, pareil. On voit bien que c'est une loulou. Hein. Alors, au soleil. On voit bien le buste ici là. Vous voyez, hop. On va se mettre à l'ombre, hein. Peut-être qu'on verra mieux. Rincé et la de sol, voilà la petite de sol. Bon, elle aussi, hein, c'est pareil. Hein. Elle a vraiment bien morflé. Voilà, et de l'autre côté, la tête de notre cher loulou. Voilà, roi des Français 1700, je crois que c'est 92, il me semble. Je me trompe pas. Pas la date, hein. Je crois que c'est 1792, hein, ça doit être ça. Voilà, c'est dommage, hein. J'aurais bien voulu qu'elle soit au meilleur état, mais non, c'est comme ça, hein. Apparemment ce champ il laisse pas beaucoup de répit aux monnaies, hein. Ça c'est sûr. Voilà, donc sur ce, ben je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit com, c'est cool. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, tout simplement. Et puis il y aura quelques petites surprises d'ici quelques mois. Voilà, et puis il y aura aussi un petit tirage au sort pour gagner quelques monnaies que je mettrai en jeu. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite. Je vous tiendrai au courant, tout simplement. Hein. Voilà.
Donc je vous dis à plus, hein. Et tchuss. Allez, ciao.